Bonjour à toutes et à tous, alors nous voici pour un let's play sur Bioshock 2, donc la version remasterisée de Bioshock 2 évidemment, donc avec des textures améliorées, donc il y a beaucoup de choses améliorées, bah, les textures, les environnements étaient un peu retravaillés, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va lancer le jeu donc en mode moyen, on verra si c'est trop simple, on adaptera la difficulté, on la passera en mode difficile, mais je pense que le mode moyen devrait convenir assez bien, je pense. Donc bien évidemment, même si le jeu a été remasterisé, ça reste un jeu plutôt ancien, donc tous les graphismes ont été poussés au maximum, et nous allons voir ce que ça donne. C'est parti. Alors là, je joue évidemment en format 21/9, donc tout ce qui est cinématique, comme très souvent avec ce format, n'est pas pris en charge, et donc on a un format 16:9 à la place. Mais dans le jeu, donc j'ai pu tester, et dans le jeu, ça passe bien au format 21/9. Je vous laisse profiter de la cinématique. Regarde, papa, c'est toi. Viens, mon papa, on va jouer. Bon, alors, contrairement au premier opus, où là, nous étions un homme lambda, hein, arrivant à Rapture, ici, nous sommes carrément le gros type qui protège la petite sœur. Bon, elle l'appelle papa, mais on va vite se rendre compte que c'est pas vraiment son père, enfin. Vous allez voir. Donc elle boit de la dent, évidemment, récoltée sur les cadavres. Il y en a d'autres, papa. On entend un peu de bruit, la porte vient de s'ouvrir. Un petit bal. Ouais, évidemment, les gens ils ont peur de moi, hein. Un gros type en armure, ça fait pas plaisir. Et là, ça va être le carnage. T'en veux, toi aussi ? Bien, Siani, il ne mordra plus maintenant. Ce n'est pas ta fille. Est-ce que tu comprends? Elle s'appelle Eleanor et elle m'appartient. Bien, à genoux, s'il te plaît. Donc on peut s'apercevoir que c'est le docteur qu'on avait pu apercevoir dans le premier opus. Très bien. Prends cette arme. Place-la contre ta tempe. Oh, la pauvre petite fille, la petite sœur. Forcément, ça fait mal. Ans plus tard. Mon Dieu, je vois la lumière. Allô ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, j'entends ton sale accent. Très faible. Oh ! Mes doigts, j'ai encore mis 10 doigts. Voilà, là on remarque, bon je me rappelle avoir fait le 2, niveau texture, l'eau, etc. Enfin ça n'a rien à voir, hein. Franchement c'est carrément plus joli.
Ah, il y a une petite sœur pas loin. Bon, la souris est un peu sensible. Je vais aller modifier ça, je pense. Ça va un peu mieux, même si je trouve ça vachement sensible. Oh, oh, coucou toi! Et voilà, alors là c'est le tutoriel hein, classique. Utilise le bouton gauche de ta souris. Oh! Je m'en rappelais plus de celui-là. On va certainement devoir l'affronter tôt ou tard. Ça va faire mal. Ah, un enregistrement ici, on va le chercher. On va l'écouter. Les guignols, je vais tout répéter une dernière fois. Primo, vous êtes sous l'océan maintenant. Ça veut dire que si vous entendez le plic-ploc de la pluie quelque part, vous êtes foutu. Deuxio, vous pouvez relancer un groupe électrogène capoute avec l'arc électrique, mais avant, faites sortir les invités de la piscine. Les gens de la haute, ça leur met les foies de voir un prolo balancer des éclairs. Vous saisissez? Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Pas si vous n'avez pas... Papa! Les papas malins ont toujours au jardin. Ah, va-t-on avoir notre premier pouvoir? Eh ouais. L'électricité! J'aime beaucoup ce pouvoir, parce que dès qu'il y a un peu d'eau, évidemment dans Rapture il y a beaucoup d'eau. On amène les Emily dans l'eau, on balance un arc électrique et boum. Il a beaucoup dormi, très très longtemps. Et Eleanor était très triste. Trouve-la et tout ira mieux. Ok. Oh Monsieur P. Ah, donc je m'appelle Monsieur P. Alors, j'ai 7 dollars en poche, ça c'est quand même fantastique. Enfin, un signal. Écoute-moi bien, toi qui as ramené la ville à la vie. Mon nom est Tenenbaum. Je sais qui tu es, et j'ai besoin de ton aide, beaucoup. S'il te plaît, viens me rejoindre à la station de l'Atlantic Express. L'effet de l'eau quand elle part sur la tête est vraiment vraiment simple. Évidemment, comme dans ce genre de jeu, on fouille tout. Ça fait des semaines que je n'ai pas eu une goutte d'adam. Voilà ce que je disais, un peu d'électricité dans l'eau est beau. J'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas votre chef, non. Je suis la mère. Tant d'années ont passé. Et me voilà de retour à Rapture. Les petites sœurs que j'ai sauvées ont grandi. Elles m'ont oublié. Après les horreurs que je leur ai fait subir, c'est une chance que d'avoir quitté leurs souvenirs. Mais voilà qu'aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des petites sont englouties par la mer, kidnappées. C'est pour ça. Ouais, j'ai un pistolet. Je sais que quelqu'un ici continue mon œuvre et forme de nouvelles petites sœurs. Je dois l'arrêter, même si cela veut dire mourir ici.
J'ai bien failli ne pas survivre à la descente, mais j'y suis enfin. C'est incroyable. Rapture. C'est ici que cette chose a emmené ma petite. Du peu que j'ai entreaperçu depuis le sous-marin, la ville est en ruine. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu quelques lumières. Et quelques ombres filantes aussi. Bref, je parle pour ne rien dire, ou pour me rassurer peut-être. En tout cas, j'espère que si je... Purée, je dois passer par où ? Je retrouverai ma petite Cindy. Bon. Bon, bah on revient en arrière, hein. L'avantage de revenir en arrière, c'est qu'on passe toujours devant un truc qu'on avait loupé. Hop, trousse de premier secours, ça peut toujours être utile. Bon, bah on va aller par là. Hein. Ah, coucou ma petite sœur. Ne te fais pas enlever, s'il te plaît. Monsieur P est là. Monsieur P, ma grande soeur, elle veut pas qu'on joue tous les deux. T'inquiète, on va s'en débarrasser. Je pense pas que ça va être facile, mais on va y arriver. Ah ouais, carrément. Sans préliminaire, rien du tout. Ok, bon, on a pu terminer cette première partie. De mémoire, le combat va se faire en plusieurs parties. Ici le docteur Sophia Lamb. J'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous, la grande sœur voit tout. Voler de la dent, c'est voler la famille de Rapture. Votre famille. On s'en fout, on va quand même le voler. J'ai plus que 6 rivets, ça va chier. Ah c'est bon, j'en ai 18. Obligé de faire le plein. Alors une vita chambre, donc si on meurt on va rip-hop juste ici. Allez, on continue. Donc j'ai 24 rivets là. Je viens de la voir la méchante. Eh, c'est flippant quand même ce jeu. Il est parti par là. Coucou. Ah ouais d'accord. Là, on va avoir quelques problèmes. Ah ouais. Ouais, les effets d'eau sont vraiment pas mal. Pour un vieux jeu. Bon, heureusement, on peut marcher sur... combinaison, même les fonds marins ne peuvent rien contre toi. Cependant, Rapture a déjà été le tombeau de nombreux héros. Seul, tu ne survivras pas longtemps. Il n'est pas trop tard pour me rejoindre à la station. Je t'attends. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? Bon, par contre, ce serait cool si je trouvais des munitions, donc beaucoup de rivets là, j'en ai besoin. Non, par là il n'y a plus rien, on va continuer. C'est marrant parce que sur les extrémités, sur les coins de l'écran, on voit le bout de casque. C'est pas mal.
Ah, là on arrive, on va voir Rapture. Welcome to Rapture. Your beautiful city. Yeah. Et c'est boum. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. C'est une espèce de parcours plutôt linéaire, donc... Ah. Il y a notre copine là-bas, là, qu'on va bientôt... qu'on va bientôt tuer. Je pense que pour cet épisode, à mon avis, on va aller jusqu'à l'endroit où on va la tuer, cette bestiole. Là, on va drainer l'eau, qu'on puisse rentrer dans Rapture. On se croirait dans une espèce de sous-marin, finalement. Et voilà, succès déverrouillé. Daddy's home. Papa est à la maison. Ou Mr. P. Bon, par contre, ils auraient pu se passer des temps de chargement. On n'est pas sur console, quoi. On est sur PC. Donc, barre espace. Mais finalement, le fait d'appuyer sur barre espace, ça devient aussi long que le chargement lui-même, quoi. Oh, R Delta, te voilà. R Delta, R Colonel. Monte jusqu'au guichet de la station. Je partagerai avec toi ce que je sais. Elle partagera avec moi ce qu'elle sait. Hmm. Oh, il y a un ennemi. Viens ici, l'ennemi. Bon, allez, on va lui mettre un petit coup de... Oh, le salaud! Voilà à quoi ressemblent la plupart des survivants. Ils sont devenus des chromosomes, des drogués, des bêtes féroces. Des chromosomes, c'est des drogués. Ouais, je suis un pirate à distance. C'est trop fort. Les robots de sécurité piratés deviennent vos alliés et attaquent vos ennemis. Vos ennemis, pardon. Obtenez un bonus bleu durant leur piratage pour augmenter les dégâts. Ah, zut. C'est cool, mon pote, il va m'aider. Ok, on va être ressuscité, bien sûr. Voilà, j'ai l'impression qu'il m'emmène près de ses potes. Je le sens tellement gros comme une maison. Oula. J'ai même pas vu qu'elle était derrière moi en fait, cette salope là. Ici le docteur Sophia Long. Andrew Ryan est mort. Mais le tyran vit toujours en nous tous. N'oubliez jamais, nous rejetons le gène. Nous rejetons l'ego. Nous rejetons le tyran. Ouais, tu rejettes tout quoi, espèce de taré. Bon, on prend les dollars évidemment. Il s'est fait écraser par le train celui-là, le pauvre. Ok, la fin de Ryan, c'est la fin de soi-même, d'accord. Ah. Ça pue. Please stand by, ok, j'attends. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Je te reconnais. Oui, moi aussi. Ce symbole sur ta main est le symbole d'un homme mort. Il y a 10 ans, sujet Delta, je t'ai vu porter un pistolet à ta tempe et presser la détente. Mais rassure-toi, de ta souffrance, un paradis est né. Je ne sais pas comment tu as survécu, mais tu ne souffriras plus. Ces hommes vont te soulager de ton fardeau. Sois assuré que, comme tout ce que j'ai pu faire, il s'agit d'un acte d'amour. Un acte d'amour, donc tu vas m'envoyer des types qui vont c'est me tuer. Sophia Lamb, elle t'a retrouvé.
Elle m'a retrouvé. Elle m'a retrouvé, mais j'ai pu encore m'échapper. Parce que je suis invincible. Fouiller les cadavres pour trouver les butins. Ouais, je veux bien trouver. Il faudrait que je trouve des cadavres pour ça. Donc c'est déjà pas par là, ça c'est clair. Ah mais si, ils sont là les... Je suis bête. Tu connais maintenant notre ennemi commun, Sophia Lamb. La caméra placée dans ton casque me permet de voir ce que tu vois. Grâce à ce dispositif, je pourrais t'aider à la combattre. Ouais, tu pourras m'aider à la combattre, mais sans te salir les mains, hein. C'est... Qui l'eût cru, hein. Attention, Lande contrôle les caméras de surveillance. Mais si tu es malin, tu pourras t'en servir à ton avantage. Les caméras piratées repèrent vos ennemis et envoient des robots de sécurité les éliminer. Obtenez un bonus bleu durant le piratage pour prolonger les alarmes qu'elles déclenchent. Ben voilà. Cool. Hey, wake up. Alors, on va fouiller un peu partout ici. Cool. Papa, c'est moi, Eleanor. Je sais que tu es réveillée. Je le sens. Dorénavant, maman ne pourra plus jouer avec toi. C'est fini. Ce plasmide est pour toi. Si je ne me trompe pas, tu peux l'utiliser maintenant. Vite, viens me retrouver. Alors, on va... Ah, contrôle de pneumatique activé. Ah ouais! Alors, télékinésie, soulevez de gros objets avec votre force mentale, puis jetez-les sur vos ennemis. C'est un peu plus simple. Ah, j'adore cette petite vidéo de présentation. Lancez des objets sur vos ennemis. Vous pouvez même attraper leurs grenades et leur envoyer. Evolve today! En maintenez clic droit pour saisir un objet grâce à la télékinésie, puis relâchez pour le lancer. Alors, bon, ça fait combien de temps là? Bah, je pense que on va pas tuer la bestiole pour cet épisode-ci. On va arrêter ici. She knows the way. Des gonnets en tripotant des danseuses de cancan. Et s'il y en a un seul qui bouffe, paf, il larguera la bombe. Il a sauvé la marmaille. Et il est trop... C'est plutôt efficace.
Ouais, plutôt efficace la télékinésie. Du coup, j'ai tout dégommé, c'est pas mal. Bon, poste de soins, soigné pour 15$, piraté. Voilà. Ouais, on a obtenu une trousse de soins gratuite. C'est trop de la balle. Bon allez, du coup je vais sauvegarder ici, si je peux. Ouais, on peut sauvegarder. Clac. Voilà. Alors. Clac. Voilà, sauvegarde en cours. Je vais sauvegarder ici. Je vais vous laisser ici. Et donc, la suite sera dans le deuxième épisode du Let's Play sur ce remaster de de BioShock 2. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. Et je vous dis à plus. Salut, ciao, ciao!